eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Resident Evil 7. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, moi personnellement ça va super, ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve du coup pour pour continuer ce jeu. On va aller chercher le 44 Magnum. D'abord on tue ce monsieur qui est très énervé. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu te calmes. Qu'est-ce qui se passe? Ah! What? Ok, on cherchera le 44 Magnum plus tard. Ok. Il me semblait qu'il y avait des mecs plus grands et plus violents que ça. À croire que non. Ah, si. Ah! Ah! Mia. On peut détacher Zoé aussi. Zoé? Zoé? Pas maintenant. On n'a pas le temps. Est-ce que tu as les ingrédients? Oui, dans mon coffre. Dépêche-toi de me donner les ingrédients du sérum. Bah t'es attaché. Je les ai. Ah bah ça suffira, non? Si on les fabrique assez vite. Mon père et Lucas ne sont pas loin. Il arrive. Papa arrive. Bien. Il y en a assez pour deux. Deux? Bon, on fait le sérum et ensuite... Il y a un bateau dehors. On traversera le marais avec. Mais aucun de nous n'ira loin sans le sérum. Hé ! Il y en a un pour moi. Oh, fuck ! Zoé ! Grande peluche ! À la maison ! Je m'occuperai de toi plus tard. Oh, t'es moche, mec ! My god! Ça devient lourd, Jack! Ça devient lourd, Jack! Va chercher Rose! What the fuck? Déjà! Ah! Arrête de bouger! Oh my god, on a eu chaud, les amis! On a eu chaud! On va se charger vite fait! Salut! Ethan, par ici! J'arrive! Ah! Non, non! Utilise le sérum sur lui. Bah ouais, bien sûr. Et après, on fait comment? Oh my godness. En VR, ça doit être énorme. Est-ce que ça va? Ouais. En VR, ça doit être juste Allez, viens. Énorme, ce Mia passage. Non, c'est affreux. J'ai dû en utiliser un. Il n'en reste plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Dis-moi que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ok, les amis, petit moment de réflexion. Mia a pas arrêté de nous casser les couilles de tout le jeu, franchement, là, je crois que cette femme nous a saoulé. En plus, elle est un petit peu parano dans sa tête maintenant depuis. Et Zoé, elle a pas arrêté de nous aider. Donc, non. Je suis désolé, sincèrement. Mais Zoé pourra nous guider vers un endroit sûr et ensuite je pourrai venir te chercher. Va-t'en, je veux rien entendre. Partez tous les deux. Allez-vous-en. Ma place okay. Est ici, avec elle. Ne sois pas ridicule. T'as oublié? J'ai un travail à finir. C'est quoi, on a fini le jeu? Non. Ça peut pas se terminer comme ça, il y a un truc après. C'est bizarre.
Merci. J'arrive pas à croire que tu m'aies choisi. Vaut mieux éviter Mia pour l'instant. Mais on a peut-être une chance de s'en sortir. Je veux savoir ce que tout cela signifie. À commencer par Mia. Mia est venue ici avec Evelyn. C'est là que ça a commencé. Evelyn. La gamine. Je savais que Mia cachait quelque chose. Là. Enfin, la dernière fois dans le bateau à bord duquel Mia et Evelyn sont venus. Quoi, mais... Elles sont venues avec ça. Allons jeter un œil. Je ne retourne pas là-dedans. Je dois savoir ce que faisait Mia. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est elle. Evelyn ne veut pas nous laisser partir. Non, non, Evelyn, pitié, Evelyn. Je serai sage. Zoé. Je promets. Zoé. Oh, putain. What? Qu'est-ce qu'il s'est passé là? Oui. Par ici. What? On contrôle qui là? Quoi? Contrôle Mia? Pourquoi on contrôle Mia? Pas mort. Comment? Ouais, ouais, comment? Qu'est-ce qui s'est passé les gens? On contrôle Mia alors qu'on avait choisi Zoé? Ah non, c'est Ethan! Il est mort! Ethan? Ethan! Ah! Ethan! Ethan! What the fuck? What? Ah, elle a des souvenirs. Des souvenirs de ce qui s'est passé dans le bateau. Je viens de te le dire, c'est un souvenir. Elle est con. Même si en général. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Qu'est-ce que tu dis? La salle des machines. Putain, qu'est-ce que tu racontes? Elle les a tous tués! Oh merde. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Il nous faut des armes. Est-ce qu'il y a des armes sur ce navire? Je sais rien, mais. Passons par là, on va bien sortir d'ici. Donc ce serait Evelyn qui aurait tué tout le monde. Mais pourquoi elle aurait tué tout le monde? C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'il y a là? Il devait sûrement se cacher pour échapper à quelque chose. Ah bah, il a pas réussi à bien se cacher parce que là il est mort. Doucement. Est-ce que tu te souviens? Non. Quoi? Qui es-tu? C'est Evelyn. Tu as dit qu'on pourrait être une famille. Non, jamais dit ça. De quoi est-ce que tu parles? Tu l'as dit! Non, je veux pas. Attends! J'en ai assez d'attendre. Oui, bah t'attendras encore un petit peu. Bonjour. Regarde ça. Alan, ton état s'aggrave. Elle a dû m'infecter durant l'attaque. Il est trop tard pour moi. C'est tout ce que je mérite. C'est ma faute s'il s'est enfui. Oui, c'est ta faute. Mais ça veut pas dire que je vais te laisser mourir. Elle t'a pas attaqué? Ça fait partie de son protocole d'empreinte. J'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Tiens, il contient des échantillons de ces tissus. Tu la retrouves. Tu répares tout ça. Allez, Evie. Où es-tu? Trouvez Evelyn. Elle vomit. Quoi, elle vomit? Merde, je dois le réinitialiser. Comment ça se passe? Elle vomit. Une quantité bien supérieure à sa masse corporelle. Oh, génial. On va être envahis par ces immondes petits copains si ça continue. Bon, il faut la trouver, vite. Avant que ça dégénère. Je suis d'accord. Elle était là. Non. Putain, elle est descendue au S2. On est dans les sous-sols. On est encore dans les sous-sols. Je crois un moyen. Alan, je crois qu'elle est de l'autre côté de cette porte. Mais je n'ai pas la clé. Essaie de faire fondre la serrure. T'es au niveau inférieur, c'est ça? Regarde dans nos affaires. Quelles affaires? Tu es fâchée contre moi, maman? Non, Evie. Je ne suis pas fâchée.
Attends, comment tu m'as appelée ? Je veux plus vivre au laboratoire. Je veux une maison. Et je veux que tu sois ma maman. Ok, Evie. Je serai ta maman. Mais viens avec moi maintenant. D'accord ? Où es-tu, Evie ? C'est pas en lui parlant comme ça qu'elle va se ramener, hein. Bonjour. Mais c'est pas sympa de faire. Evie, attends ! Elle a fermé. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu l'as trouvée ? Oui, mais elle s'est enfuie. Elle génère d'autres créatures, Alan. Ces trucs sont partout. Je te l'avais dit. Est-ce que ça va ? Occupe-toi seulement de ramener Evelyne. Mais non ! Evelyne ! T'inquiète, c'est pas une mitraillette que j'ai. Comment es-tu arrivée ici ? Oui, Evie. Elle est hors de contrôle. Sans les traitements, elle se détériore. Foutu pour foutu, je préfère crever maintenant. Ne dis pas ça. Elle te fait confiance. Cette petite personne, ma chère. Oh non, attends ! Evie, non, Evie, Alan, je voulais pas, t'as fait comme ça. Elle Evie, essaie de prendre je le pas. Contrôle. Non, je voulais pas. Tu dois la combattre. Est-ce que je vous laisse? Evelyne, arrête. Arrête ça tout de suite. T'es pas là. Avoir peur. On va être ensemble pour toujours. Oh my god! Un moment. Tu te souviens maintenant ? Oui, Evelyne. Je me souviens. Est-ce qu'on peut être une famille comme avant ? Non, Evie. On ne peut pas être une famille. On n'a jamais été une famille. On ne sera jamais une famille. Alors, j'ai plus besoin de toi. Ok. On va sauvegarder. Bon, what the fuck ? Les amis, après ce long périple, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Wow, c'était chaud. Hein. C'était très 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 chaud. Les amis, comment dire que je sais pas du tout ce qui va se passer après. Mais en tout cas, je sais que ça va être très compliqué. On va mettre échappe pour éviter qu'il y ait des mobs qui viennent nous défoncer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien et à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Allez, tchuss tout le monde!